Good morgen, allez, Dan et Sisra aujourd'hui, les Lunishmat, Machlouf Mirab Ben Masoud, Arif Kabat, Levi Yitra, Kamal Mkhaynor, Ben Fortuna, Zal, Ben Yodi, Tenisan, Ben Nafret. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5e minute éternelle. Nous étudions Maserhet Midot, Perek Dalet Mishnah Zain. Meha Mizrach, Lama Arav, Meha Ama. Kotel Aulam, Chamesh, Vea Aulam, Achat Ezre. Kotel Aechal, Shesh, Vetocho Aobaim Ama, Ve Ama Tarxin. ועשרים אמה בית קודש הקודשים, כותל ההיכל שש, ואתה שש, והכותל אתה חמש, או טוטל ספרה סון. ואנסוויט, מן הצפון לדרום שבעים אמה, כותל המסיבה חמש והמסיבה שלוש, כותל אתה חמש ואתה שש, כותל ההיכל שש ותוכו עשרים אמה, כותל ההיכל שש ואתה שש, וכותל אתה חמש, ובית הורדת המים שלוש אמות, והכותל 500, האולם עודף עליו 15 אמה מן הצפון ו-15 אמה מן הדרום, והוא היה נקרא בית החליפות, ששם גונזים את הסכינים. ההיכל צר מאחוריו ורחב מלפניו ודומה לארי, שנאמר הוי אריאל, אריאל קריית חנה דוד, מה הארי צר מאחריו ורחב לפניו, אף ההיכל צר מאחריו ורחב מלפניו. Et j'espère que vous avez déjà tout compris, c'est vraiment facile. On va quand même traduire, bien évidemment. Depuis la Mishnah précédente, on est en train de faire une coupe dans la largeur, dans la hauteur, et dans la hauteur, dans la largeur et dans la longueur du Echal. Dans la Mishnah précédente, on s'occupait de faire la coupe dans la hauteur en expliquant à chaque... il y avait 100 amas, peut-être j'ai oublié de rappeler. Il y avait 100 amas, sur 100 amas, sur 100 amas. Le Echal, ça occupait... une surface de 100 amas, 50 mètres sur 50 mètres, avec 50 mètres de haut. Un énorme cube qui n'était pas exactement 50 mètres, parce que si vous constatez ici, ça rentre un peu dans la largeur. Mais en fait, il y a quand même 100 amas de là, 100 amas d'ici, et 100 amas donc dans la hauteur. Dans la mission précédente, on avait découpé dans la hauteur, on avait expliqué les plafonds où il se trouvait, que le Echal, en fait, il était coupé en deux. Il y avait Baït Ve'aliyah, il y avait la pièce essentielle d'en dessous, et il y avait au-dessus une sorte de grenier qui était aussi un endroit fermé. Et puis, à présent, dans notre Mishnah, on commence avec... à faire la coupe dans la longueur, mais à Mizrach les Ma'arav. Mizrach, c'est ici, les Ma'arav. Et donc, en fait, on va faire une découpe en précisant à chaque... Vous voyez, qu'est-ce qu'on va... à chaque Ama, exactement, quand on va te rencontrer des murs, quand on va rencontrer des pièces, qu'est-ce qu'il y avait exactement. Dans le croquis, vous retrouverez ça dans ce dessin ici. Regardez, ils vont refaire ici les deux Mishnah, toute notre Mishnah en fait. Ouais, c'est la suite en fait, c'est la suite de la Mishnah du croquis précédent. J'ai pas noté la correspondance, c'est dommage, j'ai pas noté la correspondance, mais ça correspond à en fait page 7 chez vous apparemment. Vous avez ces quatre dessins. Ouais, ces quatre dessins là. Donc celui-là qu'on a ici, non plutôt celui-là, ouais, celui-là, c'est celui qu'on a fait hier, la Mishnah précédente, elle est présente dans notre Mishnah. On a ces deux dessins avec la coupe, dans la longueur et dans la largeur. Et on commence tout de suite. Il va juste falloir calculer, préciser chaque chose qu'on va rencontrer. On va faire avec le croquis que j'ai ici. Et donc, on a comme ça. Mi Mizrach le Ma'arav, de l'est jusqu'au sud. On a Mea Ama. Tout ça, ça fait une longueur de 100 Ama. Kotel Aulam, Chamesh. Le Oulam lui-même, le hall d'entrée, il avait déjà une épaisseur. Il occupait une épaisseur de 5 Ama. C'était des murs énormes. 5 amas. Ensuite, on a Kotel Aoulam Chamesh. Veaoulam Achatesre. Le Oulam, il fait 11 amas de large. Et de nouveau, on a son mur qui va nous faire Kotel Aechal Shesh. Et le Kotel Aechal, maintenant, eh ben, il a une épaisseur de 6 amas. On a déjà pour le moment 5 plus 11, ça fait 16 plus 6, 22. Et ensuite, Toho Arbaim amas. L'intérieur, ça prend une longueur de 40 amas pour le Echal lui-même, où il y avait dedans la menorah, le Aaron Abrit et le Lechem Apanim. Ama, ensuite on a la Ama Traxin. Une Ama, qui en fait la Ama, une épaisseur de une Ama, qui sépare le Echal du Kodesh HaKodashim, qui s'appelait la Ama Traxin. On va y revenir dans quelques secondes, dès que je finis la découpe dans la longueur. Et... ensuite, on a Vesrim Ama, Kodesh HaKodashim. Maintenant, on a 20 Ama du Kodesh HaKodashim. Donc, je vous rappelle, on avait 22. On a rajouté 40, ça fait 62. On a rajouté 1, ça fait 63.
Et puis maintenant, on rajoute 20, ça fait 83. Ensuite, on a le Kotel à Echal, Shesh. Le mur du Echal, 6, donc on est arrivé à 89. Veata, Shesh. Après, c'est les fameux tas qu'on a expliqué, les cellules, où c'était des sortes de KGB, de placards, qui fait une largeur de 6, Ama. Donc on est à 95 maintenant. Les Kotel à Tah, Hamesh. Rajoutez encore le Kotel à Tah, le mur externe, qui fait une épaisseur de 5 Ama, et on est arrivé à 100. Le compte est bon. Ama Traxin. C'est-à-dire quoi, Ama Traxin? C'est simple. C'est ce qui sépare le Echal du Kodesh et Kodashim. Il y avait une épaisseur de 1 Ama. Dans le Beit Rishon, il y avait un mur qui était construit. Ce qui s'est passé, c'est que le Beit Sheni n'était plus haut que le Beit Rishon. De ce fait, on ne pouvait plus mettre un mur, sinon le mur s'est effondré, il aurait fallu l'élargir, mais on ne pouvait pas élargir parce qu'il fallait se limiter à une amas. Du coup, on a mis deux rideaux. C'est la fameuse histoire quand vous lisez Maseret Yoma dans la Avodah Yom Kippour, qui passait avec les deux pelles pour amener la tourette à l'intérieur, il rentrait avec la amas. Il y avait en fait, c'était une épaisseur de une amas, il y avait un rideau externe, un rideau interne, et il devait marcher entre les deux pour ensuite rentrer. Ça, c'est ce qu'on apprenait dans Maseret Yoma. Quand on l'apprendra, Bezrat Hashem, on y arrivera bientôt. Maintenant, donc voilà, il y avait une amas ici. Ah, pourquoi ça s'appelait Traxin? C'est intéressant ça. Amas Traxin. La amas du Traxin. Traxin, c'est un mot composé de Tarak Sinai. Sinai, vous connaissez bien, c'est là où on a reçu la Torah. Donc il y avait dedans les luchot abrit. Tarak, comme en hébreu moderne, les trok et tadelet, on ferme la porte. Ce qui ferme les luchot du Sinai s'appelle Traxin. D'accord? Et puis à présent, on va faire la découpe du Echal. Minatsafon, vela darom shivimama. Du nord jusqu'au sud, il y avait 70 amas. Dans cette largeur-là, dans cette épaisseur qui est plus fine, il y avait 70 amas. On apprendra à la fin de la Mishnah qu'il y avait ensuite, ça dépassait de 15 amas et de 15 amas ici. Donc en fait, 70 plus 15 plus 15. Ça va nous faire 100, et le compte est bon, on a de nouveau 100 dans la largeur. Pour le moment, on va faire une découpe. Minatsafon, la darom, du nord jusqu'au sud. Et allez, on va commencer à transpercer en ce moment ensemble les murs. Et donc on a côté la Messiba, Hamesh, le mur de la Messiba. La Messiba, c'est cette rampe pour monter sur les toits qu'on avait appris dans les Mishnah précédentes. Donc le mur, pour le moment, lui, fait 5. La Messiba, Shalosh, et la Messiba elle-même, c'est 3 de plus de largeur de Hama. Donc ça va nous faire 8. Ensuite, Kotel Ata, Hamesh. Vous rajoutez le mur du Ta maintenant, parce que maintenant on va bientôt arriver dans les Taïm. Vous rajoutez 5 encore, ça va nous faire maintenant, on arrive à 13 amas. Veata, Shesh, on arrive à 19. Pour le Ta, c'est les cellules, donc ça fait 6 amas, donc on arrive à 19. Kotel Echal, Shesh. Et le mur du Echal, ça va nous faire 25. Ok? Donc on a 25 ici. En fait, c'est symétrique, on a 25, sauf que là, il n'y a pas de Messiba, on expliquera ce qu'il y a après. Donc ça va faire 25 et 25, donc ça va faire 50, et 20 de large, ça fait 70. Et c'est ce que la Mishnah me dit. Vetocho esrim ama, la largeur à l'intérieur, elle était de 20 ama, et ensuite, on continue maintenant de l'autre côté. Kotel la Echal, Shesh, le mur du Echal, il faisait 6, Vata Shesh, Vekotel la Tachamesh, donc le Ta, il faisait 6, le Kotel, ensuite, il faisait 5, au Bet Horadat Amaim. Alors, en parallèle avec la Messiba, cette fois-ci, on avait le Bet Horadat Amaim, qui faisait Shalosh Amot aussi, c'était symétrique. C'est quoi Bet Horadat Amaim? C'est l'endroit où les Kohanim partaient uriner. Alors, quel était l'entretien? J'ai aucune idée comment ça se passait. Est-ce que, quoi, ça se stockait là-bas? C'est sûr que non, alors, je sais pas, je connais pas. D'accord? J'ai oublié de chercher avant, quand j'ai préparé mon cours, en fait. Peut-être que je regarde vite fait si le Tiferet Yisrael nous dit quelque chose. Mishum chez Gag et Echal, c'est pas précisé. Non, pas du tout. Pas du tout, je me trompe. C'est pas là où ils allaient uriner, pas du tout. Chas v'chalila. Ils expliquent pas comme ça. Ils expliquent Venireli denikra a reva chaou bet horadat amaim, mishum chez Gag et Echal, vegane, j'ai lu le Tiferet Yisrael, vegane ataim adromiim, kulam ayou meshupaim, veyodim mitzafon el adarom. C'est très, très simple. Il y avait en fait, il y avait de l'eau qui tombait sur le toit du Echal. C'est ce qu'on a du Echal de partout. Il y avait des pentes de partout. Et en fait, ça se réunissait ici. Et Bet Horadat Amaim, c'est là où l'eau descendait. L'eau coulait là-bas. Elle dégoulinait là-bas. Elle était récupérée là-bas. Après, où est-ce qu'elle allait, je ne sais pas exactement. Est-ce qu'elle rentrait dans la terre? Je ne sais pas dans les détails. Mais en tout cas, il ne s'agissait pas de partir uriner au Bet Amigdash. Tant mieux. Et on continue. Ou Bet Horadat Amaim. Shalosh Amot, 3 Amot. Et à Kotel, ensuite on a le Kotel qui nous fait
Hamesh, 5 amot. Et donc ça y est, on a dit le compte est bon. Ça fait en tout 25, plus 20, plus 25, au total 70. Ensuite, Aoulam Odef Alav Hamesh Esrehama. Le Oulam, le hall d'entrée, il était Odef. Il y avait un supplément, il y avait une largeur plus large, en fait, de 15 amas de chaque côté. Minatsafon sur le nord, au nord. Hamesh Esrehama Minanor, mais 15 amas au sud. Veoaya Nikra Bet HaKhalifot. Et ce supplément-là, de 15 amas, eh bien, il est appelé le Bet HaKhalifot. Khalifa en araméen, non, en romain, eh bien, un couteau, ça s'appelle un khalifot. En fait, c'est très simple. C'était les. Quand on faisait la shrita, souvent, il y avait un moment, le couteau, il était invalidé. Et plutôt que de le réparer, je ne sais pas dans quelles conditions, il était kadosh. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On le stockait quelque part, on le mettait comme ça, on le sait. Il y avait ce bête à khalifot, en fait, qui se remplissait au fur et à mesure de couteau abîmé. Maintenant, la Mishnah me dit maintenant, de manière générale, Va'echal, tsar me'acharav, verachav me'lefanav. Le Echal, il s'avère qu'il est étroit dans son arrière et large dans son devant. Verachav me'lefanav, il est large devant. Et Vedome la hari, et il ressemble à un hari. Alors, en fait, ça veut dire, si vous regardez un lion qui dort, et bien en fait, il y a une sorte de trapèze, mais qui va dans le sens de. Qui est plus large devant. Ouais, imaginez qu'il dort comme ça, qu'il est couché comme ça. Donc il est plus large devant que derrière. Donc il ressemble à un hari. Et c'est par rapport à cette. Hari, c'est le lion. Et c'est par rapport à cette comparaison Shene, que le Passouk nous dit comme ça. Shene Mar, comme nous dit le Passouk, Hoy Ariel, Ariel, Kiryat Hana David. Il y a un Passouk qui fait une kina sur le Beth Amikdash, qui va être détruit, et qui lui dit Hoy Ariel, Ariel. Il appelle le Beth Amikdash Ariel, Ariel, le lion d'Hachem. En fait. Pourquoi? Parce qu'il ressemble à un lion. Kiryat Hana David. La Kiria, comment dire une Kiria? La ville où David était là-bas. Maha'ari, tsar, me'acharav, verachav, me'lefanav. Autant que le lion qui est couché, donc il est étroit sur le derrière, dans son arrière, verachav, me'lefanav, il est large devant. Afa, echal, de même le echal aussi. Son allure était de cette même forme. Tsar me'acharav, verachav me'lefanav, étroit dans l'arrière et large dans son devant. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Tzlacha Kol Tov.